Donc c'est, oui, excusez-moi, hein, c'est Marjorie Dupin. Donc, elle s'appelle La Forêt. Donc elle remporte les petits lots, parapluie, porte-clés. Tu peux rester à côté parce que mets-toi à côté du podium pour faire la photo au final. Donc dixième de cette épreuve, c'est Mélina Jovanovic. Jovanovic, voilà. Donc elle montait Nina Delorme. Et elle remporte donc la dixième place de cette épreuve. Neuvième, c'est Franck Bernard pour la... Il montait Urbaine Descartes. Et il remporte... Et il remporte Réveil. Enfin, s'il y a des loups un peu pour filles, mais bon. Il y a bien des amis... à qui ça fait plaisir. Donc huitième, avec donc c'est Camille Rodet pour l'écurie de Saint-Cyr. Donc huitième de ce classement. Est-ce qu'elle est là? Ou pas? Camille Rodet? Non. On va laisser... Elle arrive. Bon. On va la laisser tranquillement arriver et puis on va lui remettre les loups. Donc, septième, elle montait Chronos du Talus, c'est Manon Rabot pour la ferme et caisse de la Tuilerie. Donc, une étrille, un petit glacier portable, et puis il y a également un bon réduction pour photo à Objectif Tif, notre partenaire qui est tout au long de la journée sur le terrain. Objectif cheveux, voilà. Sixième, donc c'est Maureen du Choupou. La Forêt. Donc la sixième, elle remporte des lots, un flot. Elle remporte également un sac bonbon pour chevaux. Donc cinquième, elle montait Nino. Alionior coiffier. J'ai bien prononcé. Oh. Aliénor. Donc, elle se voit remettre une reproduction de notre partenaire, Mireille, qui expose du coup dans les petits stands qui sont juste derrière vous, le long du bar. Donc, des très belles reproductions. Il y a également des sculptures avec des fils de fer. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et également un cure-pied, brioche, voilà pour toi. Quatrième, c'est Nicolas. Nicolas Guillot pour la SAEL. Donc il y a un licol, flot, brioche, voilà. Un beau sac rose. C'est joli le rose pour les gars aussi. Donc le podium. Le podium, normalement ça doit être ça. Oui. Donc, troisième, elle montait Irish Coffee pour la ferme et caisse de la Tuilerie, Chloé Limousin. Donc, qu'est-ce qu'elle a eu pour... Avec Irish, il y a une cravache, un service cocktail, des chaussettes pour monter, voilà. Plein de petits lots. Le deuxième, il fait également partie de la ferme et caisse de la Tuilerie. Il montait Rejeka. C'est Alexandre Coiffier. Bon alors toi, tu vas faire le plein chez toi. C'est maman et papa qui vont être contents. Donc il y a une bourriche de notre partenaire Super U, une brioche offerte par nous-mêmes, voilà, partenaire la boulangère,
Et donc, voilà, plaque, flot. Et tu as également en loup-cellerie des guêtres. Voilà. Et la plus rapide dans cette épreuve sur les 42 partants, c'est Marie Prépo avec Ismir de Beaune pour la ferme équestre de la Tuilerie. Donc elle reçoit une coupe bien sûr, plaque flot, un tapis de notre partenaire Herzog qui est juste également à côté du bar. Et également un sac Lacoste, une brioche, voilà, plein de choses. Maintenant c'est l'heure de la photo. À la limite, mettez-vous devant le podium pour que ça fasse une belle photo groupée. Ah ben moi je peux être considéré un coach de la Tuilerie, j'ai des cavaliers qui sont là, je veux bien aller avec eux, à condition qu'il y ait un coach de la SAEL La Forêt qui vienne aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un duel entre la Tuilerie et la SAEL La Forêt, et aussitôt après la photo, je vais vous dire comment on va déclarer le club vainqueur en fait. Alors en fait, ça a été un duel entre les deux clubs et c'est l'applaudimètre qui va déclarer le club vainqueur. Alors pour la SAEL La Forêt. Qu'il faut départager. Barrage, SAEL La Forêt. Ouais la Tuilerie. Ouais. Impossible de départager, on va aller boire un coup et puis on revient sur le pétard.